Bonsoir à tous, c'est Arcane. Aujourd'hui, on est dans Flore. Donc, tout ce qu'on a fait la dernière fois. Oh, musique de combat. Pourquoi? J'ai flingué un truc, moi? Peut-être, je me souviens plus. Alors, il s'est noté au sud-ouest, je crois. Et hop, on va activer notre troisième colonne centrale. Alors. Pour l'instant, c'est pas trop moche, c'est peut-être plus beau que ça. Voyons voir. Drôle. On ne recule pas, je suis mort une fois à cause de vous, merci. Ah ah, érection. Par les yeux du Draracle. Ouais. Bon bah. C'est... Ah non. Alors, ici je veux me diriger autre part. Oh, c'est quoi actuellement? Ce sera plus rapide si je suis en clébard. Je vais aller ici. Pourquoi? Je ne sais plus. Mais on va le savoir en 30 secondes. Hop là. Je peux le faire. C'est très rapide. Oh, on peut passer entre deux. Ouais. Hop. Ok. Alors, je voulais aller ici. Ah. Et là. Ah. Alors. Je me demande si je suis plus rapide en sautant, moi. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, ici. Actuellement, ouais. Je vais être humain. Alors, je vous l'ai dit, pour l'instant, j'ai récupéré que deux jetons d'ivoire. Il manque encore deux, on va dire, pour voir normalement. Monsieur. Oh! Ouais. Encore de l'espace, ils aiment bien ça! Il y a un jeton d'ivoire là-bas! Et il semblerait qu'il faut qu'on fasse le saut de l'ange! Alors. Yeah. Et ça marche! Ah, comment je savais? Eh bah. Parce que parfois. Il faut! Ici, c'est typiquement le saut de la foi ici! Voilà, bref, vous avez fait ça, vous avez. Un jeton d'ivoire, magnifique, il nous en reste plus qu'un. Mais où est-ce qu'il est? Eh bah, ben, je l'ai oublié parce que bah, je suis un peu con alors. Ici c'est le Saint Graal, donc comme je pensais bien, c'est bien une mandragore qu'il faut. Et une mandragore, je n'ai pas. Et pour en récupérer ici, vous pouvez pas. À moins qu'il y ait un craft, mais j'ai pas en tête. Donc, il vous mène, celui-ci, là où j'ai activé tous les pylônes. Vous vous souvenez? Dans cet endroit ici, il y avait une espèce d'île là-bas. Et en mettant le mandragore ici, vous pouvez vous téléporter là-bas. C'est très bref, vous avez peut-être quoi, 10 secondes pour ramasser ce qui traîne par terre. Et par terre, il y a souvent des parchemins, genre de vie, invocation, foudre, compagnie. Alors pour aller ici, il fallait juste aller sur la caisse et faire un jump. Le problème, c'est que, bah, de là faire un jump d'ici et là, c'est un peu surréaliste. On dit, ah, oh, ça marchera pas. Et ça marche pourtant. Alors, chose à savoir, c'est qu'ici, il y a un piège, bien sûr. La cité, c'est pas bien. La cité, c'est pas rose, la cité, c'est morose. Et donc, on va pousser cette grosse caisse ici, transformer en lézard. Hop. Ah. Oui, faut sauter les marches. Et le piège, c'est une mort atroce. De type écrabouille. Donc, on se dépêche que tout le plafond s'abaisse. Hop. On prend ça, on saute, on s'arrache. Sinon, ce soir, c'est purée de lézard. Alors, à présent que c'est fait, on a d'autres trucs, mais il nous reste plusieurs choses à voir, comme cet endroit ici. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois. Ici, on va pouvoir utiliser notre magnifique clé squelette pour obtenir des trésors d'une valeur incommensurable. De nombre de 8, je crois, 6, un truc du genre. Et donc, pour aller ici entièrement, il y a une salle au fond, et la salle est protégée par une vitre. Cette vitre est blindée. Et pour la faire, il va falloir activer un truc en particulier. Je vous montre ça. D'abord, petit point sur la carte. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal de choses ici. Enfin, petit carré ici, petit carré là, ici c'est l'obélisque. Petit carré, et il y en a un, celui-ci, qui est différent. Alors, on va aller jeter voir un petit coup d'œil en passant. Alors, où suis-je? Là, ok, direction en bas. Dans ce carré, il y a rien, parfois il y a rien. Bon. L'obélisque, vous venez. Obélisque, pyramide.
Et pour la plupart, ce sont des statues. Pour la plupart de vos coins ici, c'est des statues à la con d'anciens, je présume, cornus, toujours. Mais, celui-ci en particulier est... Non, ça sent comme ça. Est différent. Celui-ci, si vous regardez bien, ce sont des colonnes à la con. Et il y a un drôle de bruit. Bref, peu importe. Mais si vous allez derrière, vous avez un droit pour un jeton d'ivoire, alors. Vous pouvez récupérer un. Vous le placez. Et vous avez un super truc qui pop. Et si vous cliquez dessus... Wow. Là, là. Suivez la lumière. Il faut suivre la lumière. Elle vous mènera à votre destinée. Pas vraiment, elle va juste péter la vitre et activer un autre chemin pour autre part. Ce chemin-là, je ne vais pas le faire, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais, pour activer le dernier pylône qui est tout en haut, ici, il y a un truc à faire avec une plante. Et cette plante, c'est une plante d'argent. Ça veut dire qu'il vous faut une feuille d'argent. Et au cas où, si dans le jeu, vous n'avez pas réussi à en trouver une, vous pouvez en choper... Oh putain, il est mort celui-là. Une... Enfin, plusieurs ici. Donc, on va faire ça. Enfin, je vais... Ouais, on va faire ça. Alors. Où il est? Où il est? Ouais, ouais, ici, ça se sépare ici. Un qui va péter la vitre, pas de soucis. Et un qui va aller à cet endroit-là. Vous vous souvenez ici? Ici, vous pouvez récupérer des feuilles d'argent ici. Et quand le sol va s'abaisser, c'est pas infini, c'est, ça dure pas longtemps. Le sol va s'abaisser. Oui. Allez, baisse-toi. Voilà. En bas, vous avez un chemin en bas. Vous pouvez aller dans un... la prochaine zone. Mais pour y aller, pour l'instant, ça sert absolument à rien. Vous allez vous faire chier, vous allez sûrement crever en plus, donc ouais. Donc, plus tard, hein, pas de soucis. On ira quand je serai OP. Pour l'heure. Ici, vous avez donc vos super trucs avec votre clé squelette. Alors, avant d'aller ici, qui est un peu buggy, je crois. Oui, maintenant la vitre est pétée, la vitre était ici, la vitre. Donc, bloqué. En activant ce... En criez plus, vous avez un passage derrière, camouflé. Bien, pas rien, voilà. Ici, vous avez un cristal de goudron. Super, je n'ai pas besoin pour l'instant, donc on s'en fout. Vous avez un morceau d'ambre. Pour moi, pour l'instant, inutile. Vous avez une poche à venin. Je n'en ai pas besoin. Vous avez des olympions. Cela, je le veux. Bien sûr, ici, c'est piégé. Vous le prenez, le plafond s'abaisse, vous êtes mort ou blessé. À ce stade du jeu, comme je suis assez récent, je suis blessé, pas mort. Mais, alors, ici, il y a aussi un cristal de goudron ici. Yep, I remember that. Oh. Oh. Ici, vous avez un carrelet. Inutile. Une pierre de gorgone. Non, allez, casse! Oh, non! C'est un nodule de gorgonite! Ma foi, pourquoi pas? Alors, et ici, vous avez... du sulfite arc-en-ciel! Cet endroit est bizarre! Pourquoi? Le club à fond s'abaisse! Ici, va s'abaisser! Ouais... C'est tout le reste qui s'abaisse! Pourquoi? Je ne sais pas. On a essayé un bug, mais... Dans le doute, vous avez failli crever, donc attention à ça. Alors, au fond, nous avons la dernière pierre parlante du jeu. Non. On va regarder dans 30 secondes. Ici, vous pouvez mettre aussi un jeton d'ivoire et vous pouvez obtenir, attention, une pièce squelette. Oui, au cas où si vous n'avez pas réussi, vous pouvez en avoir une autre ici, mais je vais pouvoir me faire chier. Bref. Oh. Voilà, maintenant, plus besoin de ça. Et on va pouvoir activer cette pierre parlante. Raconte-moi ton histoire. Avez-vous fait vos préparatifs? Je ne pars pas. Quelqu'un doit rester pour s'assurer que le plan de résurrection de Belial échoue bien. Pourquoi vous inquiétez? Les oracles se moquent de Belial et de son plan. Il ne reviendra plus. Je ne peux me fier aux oracles. Je dois être sûr. J'attendrai pour toujours s'il le faut. Je suis maintenant le gardien de la destinée. Waouh, comme le nom du jeu. Ouais.
Casse-toi. Maintenant, on a fini ici. Destination. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Je dois aller... Ah, ici. Ouh, la chute est... la chemin est long. Alors, quand le chemin est long, on va se mettre en mode crapaud. Et courir tout ce qu'on peut. Si je longe le bord ici, il n'y a plus de bruit, je crois. Ouais, votre lézard doit aller sur une patte à faire du je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de bruit, alors c'est bien, parce que le bruit est un petit peu chiant, le monstre crapaudé comme une merde. On va essayer de le faire. Ah, 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 ah. Ouais, Tony Hawk lézard, quoi. Ça aurait pu en faire un jeu. Alors, je pourrais crafter en passant, moi. Pas vraiment. Hein. Feuille d'argent. Ah, ta gueule, hein. Quoique. Oh, bouclier psychique? Non. Je vais crafter quoi, moi? La mousse noire, oh oui. Ça pourrait servir. Pierre de la Gorgone. Voilà, juste qu'ils lisent Pierre la Gorgone. Parce que, bah, c'est pas mal au final. Alors, à présent, hop, il y a de l'eau ici, et donc avec ça, on va pouvoir, hop, tout inonder, mettre une feuille d'argent là. Bien sûr, faut que la plante pousse pour briser ce triangle. Et pour ça, on va donc faire passer le temps plus vite avec ce joli sablier. Hop, la place a poussé et le truc est détruit. Vous ne pouvez pas, celle-ci, la looter. Donc, au cas où, nope. Bien, dirigeons-nous vers ce dernier endroit. Attention à la flotte, hein. Très mortel si vous ne savez pas nager, comme moi. Et pour l'instant, on a également récupéré un cristal de tempête. Cristal de tempête. Ouais, mais c'est pas trompé. Et non. Si, je la prends. Pourrait me servir. Alors, hop, on va mettre. Le cube. Oh. Voilà, et activer la dernière partie de la tour. Et ensuite, l'ouvrir, parce que bah, quand même, ça serait bien. C'était épique. Non, du tout, non. Alors, où est-ce que je vais? Par ici ou... Ouais. Oh, ça va encore un petit trajet à pied, alors. Autant y aller, plus possible. Ouais, pas sûr qu'en sautant ça aille plus vite, hein. Attention à la flotte! Jump! Ouh, j'étais à un poil de cul! Oh, aussi ici, ce que vous pouvez faire aussi, autant que j'y pense. Vous pouvez planter! Hey, j'avais pas beaucoup de feuilles d'argent! Alors, si je faisais un truc du genre. Si seulement je pouvais l'atteindre. Comment ça marche? On peut pas avec ça? Parce qu'on peut avec l'OS. Ah! Par exemple, de l'OS par exemple! Hey, l'OS, je veux de l'OS! Mettez le temps, ouais! Ça paraît, ça marche aussi avec la mousse noire, je crois. Ouais! Avec. Bien sûr que. Non! C'est quasiment tout, peut-être? Ouais! Bref! Vous pouvez faire ça aussi ici, donc ça, peut-être ça vous servira, peut-être. Alors. Oh, j'oublie un truc de vous parler vite fait. Ici, c'est là où vous pouvez transmuter certains objets. Vous vous rappelez que je pouvais transmuter mes anneaux ici en pierre des anciens. Combiner les cristaux de pierre en trucs de feu, mes glaces en foudre. Et sur le truc là, vous vous souvenez? Pas de soucis. Vous pouvez y retourner et ça respawnera parfois. Là, par exemple, si j'y retourne, je peux récupérer une pierre des anciens et un cristal de feu, de foudre, compagnie. Mais c'est pas trop intéressant, j'en ai déjà plein. Et plus tard, les pierres des anciens seront... Il y aura un problème avec. Donc, pour l'heure, on va aller dans ce portail fraîchement électrique. Et voir ce qui nous attend ici. Sans peur ni reproche. Open the door. Justement, je t'attendais, mon ami. Bélial, dis donc, je vois que ça va de mieux en mieux. T'as des grands doigts, mon gars. Pourquoi nous battre? Donne-moi ta magie et je ferai de toi un roi.
Bélial a toujours été généreux avec ses amis. Un ami, hein. Et tu ne peux détruire Bélial en détruisant son corps. Mais si tu es Bélial, pourquoi ne pas te tuer maintenant? J'ai déjà tué les deux autres versions. Ouais. Je suis moi aussi une de ces versions. Bélial ne pourra pas renaître sans la magie qui est en toi. Tu veux la magie? Tu la veux? Amis, ou faudra-t-il que je te tue? Je n'ai pas vraiment confiance en toi. Alors sache que dans... Alors sache que tu vas crever! Revient de loin. Lui aussi. Non, il est mort. Ce combat a été très compliqué. J'en ai tellement bavé que... Ouais, mais il est pas si différent que les autres. Hein. Il vous empoisonnera avec ses gros tentacules. Et... Voilà, de la magie à droite à gauche, boule de feu, chaîne d'éclair et basta. Bien. Ici, en lui ayant bourriné la gueule, vous allez avoir accès à un truc plutôt, et voilà. Plutôt beau. Regardez comme je suis beau. Le pouvoir. Maintenant que j'ai acquis ça, ceci c'était quoi? Mon avatar a tout changé, je suis devenu un ancien en acquérant le pouvoir du manteau des anciens. Avec ceci, j'ai gagné de base 2 niveaux en magie, qui est toujours bon à prendre. Et également, maintenant, si je n'ai pas de pierre des anciens, je peux utiliser mes pouvoirs de niveau 5 maintenant, sans utiliser de pierre. Bien sûr, ça va me consommer une blinde en magie, mais vous pouvez avoir ça. Chose que vous avez essayé de bloquer. Maintenant, j'ai accès à la magie 5 de mon sort ici. Je peux me débarrasser de ma putain de malédiction à la con. Mais, rappelez-vous ce qu'a dit le Gaolin, c'est useless. Faire ça, c'est la mort. Ça va vous revenir à la gueule et vous allez prendre très cher. Alors, destination ici, maintenant. Ça ne sert pas à grand-chose, j'ai un autre moyen d'aller là-bas maintenant. Mais, je n'en ai pas encore été ici, alors vous montrer un peu de quelque chose. Je suis presque, pas de soucis. Tout est bien où il faut. Ouais. Alors. La zone qui nous attend peut être très dangereuse, très confuse et très labyrinthique. Ah oh, ça fait cher. Alors. Ici, il y a un truc bizarre. Nodule d'organite. Pas de soucis. Et il y a. Ouh, c'est quoi ce truc là? It's a mighty dragon. Un dragon, mais actuellement il vous fait rien. Ou une hydre, je ne sais pas. Bref, ici il faut lui saigner la gorge. Oh. Il saigne et ça ouvre un passage derrière. C'est... Oh. Ok, bonjour monsieur. What the... What the... Ces bruits sont quand même flippants dans cette époque. Et non. Qu'il y a des bruits ici, ici, ici. Bien, ici nous attend une zone spéciale. Spéciale, spéciale? Non. C'est la suite de l'aventure, pas de soucis. Faut que je garde celle-ci en mémoire. Hein. Ne pas se planter dans la sauvegarde. Alors... En tant qu'on a fait ça, on va se téléporter ici. Vous reconnaissez cet écran en fond? Oui. Ici on va arriver à la mer de Bélial. Ce truc avec tous ces tétons ici. On va devoir y aller, et cet endroit est plutôt... chiant. Je vais vous expliquer les trucs à pas faire ici, surtout. Déjà, vous avez une musique d'ambiance plutôt chiante, de la merde qui accroche au plafond, normal. Alors, les ennemis, ici. Effectivement, je vais activer ceci, ici. Hein. Ce sont des araignées, mais ce sont des araignées nouveau-nées. Ces araignées sont vraiment pas costauds. Elles vont crever en 2-3 coups. C'est de la merde. Le problème, c'est que si vous les flinguez, si vous osez flinguer ces araignées faibles, il y en aura des plus grosses qui vont arriver. Mais pas des plus grosses, genre, oh, plus résistants. Non, 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 non. Ce sont des araignées guerriers. Ces araignées sont extrêmement puissantes, très résistantes, immunisées aux drains de vie et à cette de magie. C'est vraiment compliqué. Et plus vous flinguez des petites araignées, plus il y en aura, et plus vous allez crever. Si vous avez ici le bouclier que vous avez récupéré dans les rouloirs, bouclier de lâcheté. Oh, je suis arrivé. J'entends un bruit dégueulasse. Je dois pas être loin. Pourtant... Oh, j'ai eu peur.
Oh, non. Elles me suivent ? Elles me suivent, merde. Les araignées ici, on dit rien. Ouais. Alors, méfiez-vous, si je me fais toucher, mon invisibilité disparaît. C'est un cul-de-sac ici, à moitié. Les araignées ne sont pas connes. Elles vous sentent. Comme Spider-Man, il a son instinct d'araignée, et si vous passez près d'elles, elles vont se dire « Hey, il y a un gars ici !» Et elles vont vous attaquer. On voit rien ici. Alors pour ça, on va utiliser ceci. J'y suis ? J'y suis pas, hein. C'est un vrai labyrinthe assez chiant de trouver ici. Ne vous faites pas chier à tout fouiller. Les zones ici, il n'y a rien à dropper. Rien d'intéressant. Dis-moi. Où est-ce que c'est ? Je connais pas la zone par cœur, hein, malheureusement, sinon j'aurais directement rocher là-bas. Araignée ici. Let's go ici, ça me paraît bien. Alors, je suis visible, mais pas de soucis. Tant que je vois pas, pas d'invisibilité. Oui, oui, je suis plein de cales, hein. Cul-de-sac. Putain de chiottes. Je ne vous flinguerai pas. J'ai fait cette erreur là une fois. C'était une erreur. Ouh, y'a du monde ici. Y'a du monde. J'aimerais bien les flinguer, hein. En deux coups, elles sont mortes. Et vous aussi. Ouais. Ah, ça disparaît. Devenez un chien là. Je suis où? Un passage là. Ces olympions, je les ai gardés exprès pour ça. C'est une zone qui est chiante parce qu'on voyait rien. Alors, allons ici. Ce serait bien par ici, hein. Le petit chemin, tout le chemin mène au Rome. Dans ce cas présent, ça m'amène à la mer de Belial. Bien sûr, les derniers cibles pour spawn à l'infini, hein. Oh, cul-de-sac. Non. Ok, je l'ai fait. Je sens qu'ici il y a une grande salle. Ah oh. Musée de combat ici, pas exceptionnel. Cul-de-sac. Cul-de-sac, hein. Je vais devoir utiliser un leurre aussi. Bien sûr, dans la salle, je devrais y rester pour faire quelques bricoles. Et forcément, ils vont tous venir. Et si j'ai flingue ou un truc comme ça, ça va arriver un problème. Ok, allons ici. Nah, il m'en reste 3. Soit rentable ici, hein. Ah. Bon, j'imagine que c'est un jeu vidéo. C'est forcément l'endroit le plus éloigné du niveau, peut-être. On voudra mieux, hein. Ah. La lumière. Bon signe, peut-être. Peut-être, hein. Le niveau interminable. Des bruits dégueulasses. Ok, Musée Sam. Finalement. Alors on enregistre et c'est là que les maths commencent. Alors d'abord il faut péter ce machin là. Notre intérieur du vagin de la mer Abélial, on va dire. Oh. Vous voulez voir peut-être une araignée guerrière, peut-être, hein? Je vous montrerai ça plus tard, parce que maintenant, c'est... non. Alors, ici, c'est un peu étrange ce qu'il faut faire. Si vous allez à droite, il y a ce truc là qui sert à rien de mémoire. En revanche, vous allez à gauche, vous avez un trou du cul, vous tapez dedans. Encore plus gros maintenant, ouais. Comment vrai? Ici vous avez trois trucs qui pendouillent, un qui est mort. Vous activez celui-ci, il tombe par terre. Ce truc dégueulasse va en créer un. Là, vous vous barrez. Vous vous barrez. Si vous vous barrez pas, une araignée vient pour la remplacer. Si elle vous voit, elle vous bute. C'est une araignée guerrière, vous mourrez en un coup, hein. Pas de soucis, c'est scripté. Plus tard, vous revenez ici, pour commencer, le chemin ici est ouvert.
Donc vous passez, vous ferez un chemin dans les boyaux de sa maman, et ça devrait être bon, non? Yes, c'est good. Waouh. La merde alors. Je voulais t'ouvrir un passage. Maîtresse Dawn est déjà à l'intérieur et elle a besoin que tu l'aides. Elle n'a plus que son espoir et toi seul pourras la sauver. Elle est entrée dans la chambre de vie sans la protection du manteau? C'est la mort assurée pour elle. Va, Luther. Protège-la de son propre courage. Oh! Bien. Alors, c'est passé ici. Là, je me casse 40 dollars ruche. Hein. Yep. Alors, c'est que vous avez vu Bakata. Si vous avez été une pute avec Bakata, que vous l'avez buté, eh ben, vous êtes pas ici. Et vous devrez affronter cette statue de Bella qui vous avait sûr poursuivi. Parce que, comme ils l'ont dit, le mec vous l'avait dit, la statue, bah, elle vous bute. Donc, voilà. Oh. Alors, la corne, c'est puissant. Très puissant. Attaque un peu lentement, beaucoup quand même. Mais voilà, si vous n'avez pas l'épée ténèbre et l'épée de Toran, celle-ci c'est la seule arme corps à corps qui peut tuer Belial. Corne de Belial. Ah ta gueule, c'est ce que c'est. Oh. Alors ici, un peu de la merde. Hein. Pour faire un passage, il va falloir devenir un putain de truc pour pouvoir passer. Oh. Ok. Donc comment contrôler la statue? Actuellement, elle est plutôt dangereux quand même. Faites bien attention à ça. Donc, pas le choix, hein, c'est ça? Ouais. Bien sûr, le sang, il est pas clean. Le sang vous pique de la vie et du mana, ce qui est chiant, bien sûr. Donc, on va bien s'épaisser d'ici pour passer avant de se faire tout pomper. Où est-ce qu'on passe? Je sais absolument pas où il faut aller, alors. Ici, peut-être? Oh shit, ce coin me dit rien qui vaille. Humain. Je voudrais bien humain ici. Alors. Ici je crois qu'il faut tirer sur les mécanismes qui sont au fond. Ça active, je crois, une barrière ici. Il y a du courant, vous avez vu? Le courant vous apporte le courant. Vous apporte tout au fond et vous crevez. Alors on va donc passer ici. Et pour continuer sans mourir, une préférence. Oh shit! Oh, j'ai failli me noyer dans une mare de... Je sais pas quoi. What? C'est quoi ce bruit? Y'a un truc là! Des bêtes qui puent dans le coin. Et non là. Wow, fuck you. T'es où mon gars? T'es là? Ah. Pas où ils sont. Ils font un bruit de ça. Est-ce que les Sars seraient des... Oh, possible! Ils vénéraient Belial! Est-ce que Belial aurait créé ces Sars là pour... régner sur le... Dracoïde? Vu que dans la catacombe, c'est eux qui étaient ici, hein. Pas Dracoïde, hein. Alors, j'ai plus une goutte de jus, moi. Où est-ce que je dois aller? Il y a une grande salle, mais... Oh! Ah! Sortez de plein air ici! Oh. On remonte peut-être là? Peut-être! Pas fini! Cet endroit pue la mort! Ah! Oh sweet! J'ai réussi! J'ai réussi! Alors, chose pourrie qu'il y a dans le coin, je crois que. Ah, voyons voir.
les orques qui traînent ici vous piquent vos pires anciens. Ou des ennemis ici, je sais plus. Donc, méfiez-vous de ça. Ce serait con d'en avoir 6 et de les perdre. Oh. Un ascenseur. Je pensais pas à ça. Mais putain, c'est un cul-de-sac, j'ai dû rater un truc. Eh non, Farkan ne rate rien, il voit tout. Sauf sous les vêtements. Ce qui parfois n'est pas plus mal. Oh. Si nous avons... Oh, attention à vos... Une sorte d'hôtel. On a quoi d'autre? Salle des invocations, d'accord. Bon bah... T'es pas loin. Ici, il y a un passage avec de l'eau. Cool. C'est de l'eau ou du sang? Du sang, hein. Ok. Et si on se casse un peu plus loin? Nous avons... Ah, oh, génial! Un des putains de micro-sars, là. Ok. Alors, sans me souvenir comment fonctionne cet endroit ici. Sur le mur, il y a des crânes. Est-ce que je dois faire un truc avec ces crânes, là? Oh! Je crois que oui, actuellement. Non. Il y a un portail par terre, par contre. Oh! Non. Bon. Je sais qu'il y a... Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ces saloperies au crâne. Si on ne peut pas tomber dedans, ça va me siphonner un paquet de mana. Même si j'ai des feuilles, quand même, ça sent pas quand même de gros gaspillage. On sait pas encore ce qui nous attend plus tard. Alors, voyons voir. Oh, j'ai un frisson avec ce rire. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Tout activé, hein. J'ai pas activé celui-là. Il en reste... un seul. Ça sonne pas très bon, ça, à mon avis, hein. Je pensais pas... Je pense que oui. Ah, copain. Ne respecte pas mon autorité. Ah. Ce sont ces mecs-là qui vous piquent vos pères des anciens. Alors, ce qu'il faut faire avec, je crois qu'il faut la mettre dans la salle avec la flotte ici. Enfin, avec le sang. Oh, ça va être un long périple. Je peux pas shooter dedans. Un peu. Shoot dans le... Ah. Pas pratique ça! On peut plus mourir plus. Enfin, plus il est super large! Ce démon a également la même gueule que ceux que vous pouvez invoquer avec votre pouvoir niveau 4 de l'invocation. Je peux montrer ça encore? Non? Oh, pas de lutte? Oh bon. Ouais, bon. Et t'es là! Maintenant que j'y pense, ça fait un sacré bout de temps que je ne suis pas métamorphosé moi! J'ai pris ça sur le corps de ta mère. Ne respecte pas mon autorité. Oh non, foiré. Oh. Voilà, j'ai eu toutes mes pierres. Content? Non, j'aurais pu utiliser une avant. En revanche, ils vous piqueront pas vos force pods. Donc c'est bon ça. J'aurais dû utiliser la mienne avant, hein, avant de me faire bouffer. Mais tant pis. Au moins on apprend, j'étais pas vraiment sûr et maintenant, bah certain. Chier. Mais whatever. Bon, attends, il a un gros trou du cul, là. Il a quand même bien explosé, quoi. Ça, l'a pris. Oh, la formation de portail, alors, quoi. Peut-être ça, là. Ouais, ça a plus de sens, maintenant. Allez, tu peux le... Oh, bah, allez. Ah. Attention à la flotte. Agnac, Jagger. Thank you, game. Wow, je prends cher, tu... What the fuck.
Je vais crever, moi. Bon. Alors, leçon que j'ai appris. Marchez une fois dedans, vous verras une fois. Marchez dedans plusieurs fois, vous verras plein de fois. Oh, il fait un peu de mieux à mon goût. Passage ici, passage là. Ça a clairement l'air d'être la suite. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Je ne sais pas. Et je suis trop curieux pour passer à côté. Non, oh, comment je marchais à deux mètres là? Ok, vous savez quoi? Ah! Oh. Putain, je vous jure, j'étais pas à côté. Enfin. Je l'ai effleuré avec l'orteil. Ça passe pas ici? Là, ça passe. Allez comprendre. Bon, c'est sûrement ma faute, hein. Je blâme pas le jeu à ce niveau-là. Culé de jeu. Oh merde, je vais éteindre les arbres avec ces enfoirés ici. Je pense qu'il y a rien actuellement ici. C'est là que je suis arrivé peut-être? Je suis pas arrivé par là, hein. Oh, je me noie! Vous avez pensé à ça, vous? Si c'est le cas, bien joué! Oh! Mais je vois rien ici. Oh! Pour traverser? Ascenseur, hein. Ok. Luther, je suis entré. Il est presque prêt. Alors on peut sûrement entrer et le tuer maintenant. Non, il attendrait et reviendrait ensuite. Tu dois expulser ton sortilège dans sa direction. Okay. Même dans mon état, je crois que c'est dangereux de faire revivre délibérément un ancien dieu. Mais si tu connais un autre moyen... Désolé, mais je n'en connais pas d'autre. Tu devras uniquement te fier à ton propre courage. Je ne te serai plus utile, Luther. C'est toi le héros. Moi, je ne reste ici que pour m'assurer qu'aucune de ces araignées ne vienne t'interrompre. C'est tout? Vas-y, je dois partir d'ici de toute manière. Quelqu'un doit préparer le festin du héros. Ouais. Luther, tu es supposé te battre contre Bélial, tu te souviens? Oui, alors j'y vais. Entre là-dedans. Ah bah, la charmante madame, quand même, c'est dégueulasse, il y a plein de sang partout, mais oh, vas-y, rentre, ça. Pas de soucis. Oh god. Cet endroit n'a rien d'appétissant. Oh. Si vous mangez, bon appétit. Cette porte non plus, hein. Oh! Dieu soit loué, c'est sûrement ici. Enfin, je vais pouvoir me débarrasser de mon sortilège. Est-ce que je vais voir ça sur une autre vidéo, moi? Peut-être. Ouais! C'est ici! Ici, vous devez expulser votre maléfice et renvoyer Bélial à l'état de fœtus! Vous allez devoir démonter la gueule. En revanche, ici il y a un truc en particulier à faire. Si vous ne voulez pas expulser, vous pouvez attaquer. Ça ne fait rien, mais ça fera apparaître quelque chose. Des araignées guerriers. Et donc, c'est l'occasion jamais de vous les montrer et de crever avec. Bordel. Mazo, c'est exactement ça. C'est étrange. Ça grandit ici, dans cette salle. C'est dégueulasse. Wow. Oui, tu passes. Non. Ouh, ça fait mal, hein. Oui. Ceci est une araignée guerrier. Si vous flinguez cette araignée, ça en pop plein. Si vous l'attaquez encore une fois, ce con en fait pop deux. Donc, ouais, sayonara, hein. Mais vous pouvez looter des poches à venin dessus. Oui, poches à venin. Est-ce que j'ai l'occasion de vous montrer plusieurs sorts peut-être en même temps, avant de se quitter? Invocation, vous avez vu à peu près? On a vu... Prise. Pour voir la trinité peut-être? Ça bannit tout ce qui est illusion, lorsque plus tard je m'en servirai. Les brumes ont aussi des formes différentes, vous pouvez utiliser les brumes. Petit spectre ici.
Tête de mort, vous voyez tout mal vu. Une armée de spectres. Le niveau 4, c'est... une grande faucheuse. Mais étrangement, Dawn ne protège des araignées. Sauf que les araignées, elles sont ici actuellement, pas derrière. Enfin bon, bref. On va se quitter ici, c'était peut-être un petit peu chiant, on a peut-être pas vu grand-chose, mais la prochaine fois, on va pouvoir enfin libérer ce Belial et commencer à lui pourrir la gueule. Parce que ce combat-là et la technique, ce que on va pas la compter de suite, est particulière. Si vous êtes rapide, vous pouvez avoir un bonus pour ce niveau-là. Si vous êtes trop lent, vous allez avoir rien. Donc voilà comment ça se passe. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, on va se quitter ici, et je vous souhaite également une bonne journée. Allez, ciao.